Bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de cette aventure sur Pokémon Crystal Full Random. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va très bien. Et on s'apprêtait à partir pour... on est à Olyville, je sais plus comment s'appelle la ville de l'autre côté. On va bien le découvrir de toute façon, donc à traverser la mer. Et juste avant de partir faire tout ceci, je vais juste vous montrer voilà, qu'on a un nouveau membre dans l'équipe, encore un. Octo qui est donc venu remplacer Killer, tout simplement parce que déjà il a le type sol également. Alors, pour l'instant il n'y a pas d'attaque type sol potable, hein, dirons-nous. Mais il peut apprendre surf, et ça c'est très important parce que personne dans notre équipe ne pouvait apprendre surf. Donc voilà, je l'ai un petit peu entraîné. Il a encore un peu de retard sur les autres, mais ça ne saurait tarder à être rattrapé. Voilà, voilà. Il vient de battre. L'eau est bonne, pas ici. Tu veux combattre? Pas de problème. Alors, Jean-Paul le nageur. Helmut veut se battre. Ouais, Axolotl. Bien soit, Axolotl level 21. Bon, normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. On va partir sur surf. Ça dit quoi? Alors, voyons voir. Bon, c'est neutre, donc normalement on devrait pouvoir s'en sortir. Oh, le one shot, ça c'est tellement beau. Oh, il a rien vu venir. 234, et nous on ramasse la délicieuse XP. Oursaring, vas-y, fais péter. Je reste, je ne bouge pas. Octo commence à avoir à peu près les levels, donc autant en profiter. Regardez, level 19. Ouh, drague au souffle. Alors, à voir, parce que Oursaring, il me semble qu'il est plus physique quand même. Ah, il chope la paralysie. C'est pas possible. Allez, Octo est complètement paralysé. Non, ça va. Octo lance quand même sa petite vague de surf. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oui, parce qu'en plus, Octo... donc, Octillerie, hein. J'ai regardé... Alors, ça, ce n'est pas très efficace. Bon, dommage. On va tenter la poudreuse. Finalement, en fait, ses stats sont clairement pas mauvaises. Hein. Je crois qu'il a 105 ou 110 en attaque et en attaque spéciale. Donc voilà, après 75 en défense et en défense spéciale. Et 75 en PV aussi, je crois. Il y a juste sa vitesse qui est un peu... Voilà, mais on s'en fout. Là, par contre, on va switcher parce que ça ne va pas du tout. Il reste King Boo encore qui a un peu la ramasse. Et Alpha. Non, on va envoyer Alpha là, hein, quand même, pour le plaisir, pour le bonheur de la chose. Voilà, Alpha qui va faire complètement le boulot. Draco souffle, normalement, ça devrait aller, tranquille. Voilà, sauf s'il chope la paralysie, non, donc c'est parfait. À partir sur Balombre. Allez. Ça c'est neutre et ça devrait normalement le tuer. Impeccable. Ouh, en plus le même XP partagé, ça rapportait vraiment pas mal. Ça c'est cool. Un Celebi. Waouh, bah ouais, on va envoyer Octo. Est-ce que c'est une bonne idée? On va envoyer Octo. Je le tente, mesdames et messieurs. Un petit Celebi qui est de type plante. Plante est normal, il me semble. Ou juste plante. Non, je crois qu'il est juste plante, hein, justement. Hop, on va tenter la poudreuse. Il fait cadeau, rends-moi de la vie. Ah, non, dommage. Et moi, je suis totalement paralysé. Soit, allez, on y croit. Donc, ouais, on a bien fait peut-être de pas le prendre, parce que ça veut dire que level 19, il a toujours rien d'autre que cadeau, finalement, en attaque offensive. C'est clairement pas ouf. Alors, le problème, c'est qu'il devrait résister quand même un minimum. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est un 3... Un 3 shot tout pour le KO, mais... est-ce que je vais survivre? C'est la question. C'est marrant parce que lui, il me soigne jamais avec ses cadeaux, hein. Alors, moi, j'ai vu que j'avais, voilà, des super potions qui traînaient, mais bien évidemment, j'avais complètement zappé dans mon sac. Voilà, qui va nous servir. Donc, 50 PV, on y est tout juste, pratiquement le compte. Oh, il rate son attaque, bébé. C'est pas grave, nous, on va continuer. Ah, si, la combo griffe. Bon, c'est tout aussi nul, hein, vous me direz, hein, mais c'est un peu mieux, je pense, que cadeau. Qui, techniquement, pourrait rendre de la vie. Ouais, même en touchant 4 fois, c'est assez mauvais. Écoute, toi, tu m'énerves. Allez, frappe. Voilà. Ça lui apprendra à faire le malin. Oh, ça suffit même pas, c'est sérieux, c'est un Celebi, quoi, ça rapporte que ça. Non, mais abusé. Je crois qu'on avance, hein, mine de rien. Bon, je fais quelques allers-retours, moi, vous me voyez pas, hein, au centre Pokémon, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a fait au moins mi-chemin, clairement. Ouh, petit dresseur, là, qu'on va pouvoir faire. J'aurais pu prendre des rappels, hein, quand même. Il est de retour. Oh, Dark God, le seul, l'unique, le ténébreux. Oh là là, mais l'équipe de malades qu'on va se faire. Waouh, en plus il a une attaque de soin. Il a, attends, qu'est-ce qu'il a comme attaque? Parce que attends, Blandine, c'est ce qu'elle avait? Non, pas Blandine, Blanche. Alors attends, il avait lait à boire, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouh, aïe. On va essayer de pas le tuer, mais voilà, lait à boire. Mais par contre, faut pas commencer par ça. Il a pas l'air fut celui-ci. Peut-être en chercher un autre. Ah, je sais pas, je prends pas le risque. Si ça se trouve, c'est un...
un rare, parce que depuis que je me balade dans l'eau, c'est le premier que je rencontre. D'accord, ça donc c'est complètement inefficace. Bon bah bien, c'est bon à savoir. On va partir sur poudreuse. Ça va être long. Ça va être très très long. S'il se soigne comme ça continuellement, ça va être très très long. Est-ce que je vous fais une ellipse? Je ne sais pas, parce que le combat peut être intéressant. Ouh, ça par contre c'est très efficace. Alors qu'est-ce qui peut être qui craint la glace mais qui résiste à l'eau? Ah, il y a peut-être du dragon. Oh, ce serait badass en plus. Ah oui, il a Dracorage, mais par contre, il risque pas à prendre grand chose de ouf du coup après. C'est ça l'inconvénient. Par contre, est-ce qu'il me tue au prochain? Oui, il me tue au prochain largement. Ouf. Oh, j'ai eu tellement peur. Coup critique. Ok, soit il est dans le rouge, il va certainement faire aller à boire. Est-ce que j'utilise ma Master Ball? Non. J'ai envie de la Master Ball, je vais être très franc avec vous. J'ai envie de la garder soit pour Lugia, soit pour Ho-Oh. Clairement. Est-ce que. Non, Speedball, là, elle servir. Vous savez quoi, elle ne me servira jamais à rien. Donc, autant tenter le coup sur la Speedball. Qui est la magnifique bleue, hein, qui plus est. On croise les doigts. Ouh, oh, oh. Ah, j'y ai cru. Ouh, j'y ai cru, j'ai le cœur qui s'emballe. Non, on va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Les à boire, forcément. Sinon, c'est pas marrant. Est-ce que le truc, c'est est-ce que je peux me permettre de faire une attaque supplémentaire? Est-ce que je vais pas le tuer? Je vais tenter juste, regardez, la dernière petite Pokéball qui me reste, comme ça, là, en loose dé, discrètement. Comme ça, je lui laisse le temps de se soigner un peu plus pour refaire une attaque par-dessus. C'est de la stratégie, c'est de la stratégie. Oh! Il me met la pression, il me met une de ses pressions, franchement, voilà. Voilà, allez à boire, c'est ce qu'on attendait, c'est parfait, donc ça, on va pouvoir... Ah d'accord, ça a pas l'air... D'accord, tout à l'heure, il a récupéré moins de la moitié, et là, ça lui a tout remis, soit, donc c'est un peu aléatoire. Bon, ben, on reprend depuis zéro. On reprend pas depuis zéro parce que Octo est mort. Octo vient de décéder dans d'âpres souffrances. Bon, ça risque d'être un combat long et épique, mais à mon avis, ça en vaut clairement la peine. Donc, de toute façon, il retire 40 PV à tout. À tout, j'ai personne à part. J'en ai deux qui survivent à deux attaques, quoi. Bon, on va envoyer justement ces deux-là, hein, voir ce que ça donne. Si les dragons, normalement, je pense que je peux. Ouais, mais si je l'empoisonne, ça va être compliqué. On va partir sur Dame Nuée. Ouais, c'est honnête. Avec un peu de chance, je peux l'apeurer en plus. Ça, ce serait vraiment formidable. Comme ça, je gagne des tours de dégâts. Ou du moins, il va pas m'attaquer, pas me faire dracorage à la con. Ouh, et moi, je touche 5 fois. Ce qui est assez parfait. Reconnaissons-le. Coup critique. Génial, toucher 5 fois. Ça, c'est vraiment nickel. Wow, il a clonage. Le chien. Est-ce que je peux jeter une balle sur quelqu'un qui a fait clonage? Oui! Oh, ça marche quand même! Magnifique! Oh, c'est génial! Alors, attention, attention. Oui! Ah! Ah, on va avoir une équipe de complètement de tueurs. Et encore, si on voulait, on pourrait même intégrer Celebi, mais Celebi qui est très mauvais pour le moment, qui n'a pas ce qu'il faut pour réussir et intégrer l'équipe. Mais, peut-être que ce sera le cas, oui, j'en perds mes mots, le cas de Dark God, qui a son nom... Dark God, ou je sais pas si on l'appelle encore Dark God. Oh, pour faire une certaine continuité... On va y avoir une équipe qui va quand même ressembler un peu à ce qu'on pouvait avoir. Ça, c'est sur rouge et bleu, ce qui est assez marrant. Oui, bien sûr. Alors, Dark God ou Legend. Hein. Bah, sachant qu'il est un autre type, là, l'autre c'était Dark God. Là, ça va être juste Legend. Par contre, comment je fais pour effacer? Voilà, je veux passer en minuscule. Il est normal, dragon. C'est bon ça. Normal dragon, clonage, dracorage et lait à boire. Je sais pas ce qu'on va pouvoir en faire. J'hésite, hein, parce que ça serait intéressant quand même. Je veux dire, ça serait même super cool à jouer. Par contre, je me demande ce qu'il va pouvoir apprendre, quoi. Donc, clonage, c'est bien, ok, mais en PVE, est-ce que c'est vraiment utile? Dracorage, ça va être très très utile à l'heure actuelle, mais bientôt, ça le sera plus. Lait à boire, ok. Alors allez, par curiosité, écoutez, on va le prendre avec nous, et puis on verra bien, ça se trouve, il apprendra absolument rien d'utile, et puis bah, on s'en passera, on l'oubliera complètement, voilà, c'est tout, ça serait une grande perte, mais que voulez-vous, ce sont des choses qui arrivent, voilà. What? Vous avez vu ce que je viens de voir? ADN Berserk de Mewtwo activé. Mewtwo devient confus. Qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, faut que je suis désolé, il faut que je le capture. Faut qu'on comprenne un peu. Vanglass, je vais pas le tuer normalement. Bon, et bah, ça, on ne saura jamais. Voilà, tout simplement, je l'ai tué. En fait, il s'est frappé dans la bouche et moi j'ai tapé trop fort. Donc voilà, l'un dans l'autre, il est mort. Par contre, c'est un bon point pour XP, ça faudra retenir si jamais j'ai besoin. Alors, je crois qu'on arrive. Ah, ça y est, voilà, on va pouvoir se soigner. Alors, je faisais des allers-retours depuis tout à l'heure pour me soigner alors que j'étais juste à côté de la rive. Ce qui est un petit peu dommage quand même. Hein, vous reconnaîtrez. Oh mais alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cet ADN berserk de Mew qui l'a rendu confus, de Mewtwo? J'ai absolument jamais vu ça dans ces versions-là, on aurait dit comme s'il avait une capacité spéciale ou quoi. Ou alors c'est un objet, mais un objet que j'ai absolument jamais vu non plus, ADN berserk. Si quelqu'un connaît, dans les commentaires, alors n'hésitez surtout pas à vous exprimer, parce que là je suis ultra curieux de savoir ce que ça peut être. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on va tout de suite voir Suicune là-haut? C'est une bonne question. On peut aller jeter... Ah non, mais je crois qu'il nous combat, hein. On va peut-être faire l'arène d'abord, je sais pas. Ah, de toute façon, je crois qu'on peut pas... Si, on peut faire l'arène. Si, on fait l'arène, après la meuf, elle nous donne vol, et après on peut retourner là-bas, apporter les médicaments, et tout ça, tout ça. Donc on va peut-être récupérer le médicament d'abord. Ton Pokémon semble en pleine forme, quelque chose te tracasse. Le phare Pokémon est en danger. J'ai pigé, ça devrait faire l'affaire. Et je reçois la potion secrète, génial. Ma potion secrète est un tantinet trop forte. Je ne l'offre qu'en cas d'extrême urgence. Non seulement elle redonne ta vie, mais en plus elle fait l'effet de 5 super bonbons, tu vois, c'est le truc, c'est des stéroïdes. Des stéroïdes, t'es boosté aux hormones, mais comme pas permis. Hop. Chuck, le champion d'arène, s'entraîne avec ses Pokémon de type combat. Yes. Et lui, je crois que pour le coup, il a des level 30, hein. Je suis choqué, un garnement de ton âge avec l'œil mauvais et des cheveux longs s'est infiltré chez moi. Il m'a fait grand peur et chaparder mon Pokémon adoré. Il m'en reste un, mais que faire s'il revient? Tu as l'air fort, peux-tu t'occuper de mon Pokémon un petit moment? Bien sûr, oui. L'équipe Pokémon est pleine. Ah, attends, ça s'arrange. Oui, je le prends. Oh, bien le merci. Prends-en bien soin, pitié. On reçoit un Pokémon gratuit, donc ça en full random, c'est toujours le petit moment un peu marrant. Qu'est-ce qu'on a? Nessie. Qui porte un objet déjà, regardez. Avant de savoir ce que c'est, on va prendre l'objet. Une baie, ok, donc ça c'est de la merde déjà. Stats. Ah d'accord, non, mais alors les Pokémon fixes n'ont pas changé. Et il est resté roche en plus. Alors il est plus insecte, il est juste roche. Roulade, jet de pierre, giga sans suite, tempête sable. Oh, c'est pas mal. Par contre, voilà, il reste avec des stats complètement merdiques. Donc pour le moment, en fait, ça ne nous intéresse pas. Voilà, il va juste finir sur une boîte. Alors là, voilà, on arrive sur le haut de la ville. Et je crois qu'effectivement, là-bas, il doit y avoir Suicune et Eucine. Non? Ah, c'est pas encore le moment. Ah, si. Et dès que je vais arriver, il va se passer un truc. Il va fuir, s'il va le voir, il va me demander un combat, je crois. Je sais tout. Je vois tout. Je sais tout de tes Pokémon. Alpha? Tu as vu Alpha ici. Mon creuset. Il était jour. Son niveau 15. Magie! Dis donc, il serait sage de prendre plus soin de tes Pokémon. Oui, bah attends, mais je viens de le rencontrer. Forcément qu'il me kiffe pas à l'infini. Bon, combat contre Sine avant de se laisser, je pense que ça va être pas mal, hein. Allez, allez. Hop. Sine. Hey, Gaoulf, c'était pas Suicune. Je l'ai juste aperçu, mais j'ai vu Suicune courir sur les vagues. Suicune est si beau et vaillant. Il court et traverse les villes à une telle vitesse. C'est dingue. Je veux voir Suicune de près. C'est décidé. Je vais t'affronter pour montrer mon talent à Suicune. Mais si c'est logique, combat! Alors on va bien voir ce que ça donne, déjà au niveau des levels ça va donner le ton et certainement nous servir de très très bon entraînement pour aller préparer l'arène. 3 Pokémon, Eucine donc veut se battre, il va nous envoyer un Kabuto, soit, ça devrait plutôt bien se passer. Alors est-ce que j'ai soigné mes Pokémon j'espère? Octo, oui Octo est soigné, parfait. On va partir sur un Vanglass, Octo vous avez vu qui a pris plein d'attaques, hein, dont Tunnel, donc ça c'est génial. Et Vanglass, il a tout appris au même level. Par contre, alors, il est de type plante, il me fait des dégâts. Normalement, ça devrait être bien câblé. Voilà. Kabuto, merci. Au revoir, c'était sympa. Octo qui a pratiquement tout rattrapé, même hein, carrément. Il va utiliser Karatroc. Oui, mais c'est celui qu'on vient d'avoir qui est de type roche. Donc pourquoi ne pas envoyer... il est où? Legend. Comme ça, il va faire de l'XP facile. Voilà. En faisant simplement deux... Dracorage, voilà exactement, je ne trouvais plus le terme. De Dracorage, au calme.
Mais c'est vrai que, en fait, la combinaison clonage Léa Boire est pas si mal. Honnêtement, ça peut être intéressant pour éviter au moins les attaques de statues, les trucs à la con, genre bah là, des tempêtes de sable, des trucs du genre. Tempête de sable fait rage, certes, mais toi tu vas mourir. Ça, c'est un fait également. Hop, on l'achève. Par contre, ouais, du coup, Dracorage, il a que ça comme attaque pour le moment. Il a. C'est quoi? C'est 10 PP Dracorage. Donc ça risque d'être ennuyeux pour le farm. Même pour les combats, pour l'aventure tout simplement. Et un Limagma. Bon, ça va, ça se sera bien passé. Donc Legend va rester en premier pour le moment. Et puis moi, entre deux épisodes, j'irai certainement XP un peu. Histoire d'être à la hauteur de l'arène. Parce que sinon, je sens qu'on va en baver comme pas permis. Et c'est pas le but, hein, voilà. Donc ça, on le finit tranquillement. S'il faut, on fera un petit lait à boire des familles juste après. Mais voilà, ce Limagma ne me fait pas peur. Il ne peut rien contre Légende. Vous voyez, déjà, juste un Dracorage, c'est pratiquement la mort. C'est dire à tel point ils sont faibles, complètement faibles. Il va peut-être être tué par la tempête de sable, ce qui serait assez marrant. Voilà. Non, pas tout à fait. C'est pas grave, on va partir. Oh, j'aurais même pu faire lait à boire, juste le troller, et le laisser mourir tout seul, comme une vieille chiasse, par la tempête de sable qu'il a lui-même installée. C'était une façon de voir les choses aussi, mais non, je... Ouh, c'est dommage, ça. Ouh, c'est dommage. Eucine donc a perdu. Bon, d'accord, j'ai perdu. Oui, c'est effectivement. Et par contre, ça rapporte de la caillasse. Et ça, c'est plutôt bien. Tu es formidable, Gaowulf. Les Pokémon doivent t'adorer. Je comprends tout. Je vais encore traquer le grand Suicune. On se reverra. À bientôt. Alors là, c'est mes souvenirs sur mon. Je peux retourner le voir. Il doit être en dessous de. Rosalia. Un truc comme ça. Vous savez, là où il y a les petits buissons. Quelque chose comme ça. Il me semble qu'il est par là-bas, ouais. Et après, on le recroisera sur la route qui mène vers Johto, il me semble. C'est-à-dire, il y a un petit truc, un buisson à couper, quelque chose, et on peut le trouver là-bas. Voilà, voilà, écoutez, si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et puis, vous savez à quel point maintenant ça devient très important pour le référencement et le changement des algorithmes YouTube, tout ça. Donc, si vous voulez me faire plaisir, voilà, moi, ça m'aidera. Sur ce, je vous dis salut à tous, c'était Gaowulf. Passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous faites, mais en mieux. Bisous, bisous!